les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charlie. Qui roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont s'écarter comme ils vont s'effoncer. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Ici Jean-Paul qui fait signe de respect envers son oncle qui est en finale quand même. Et tes joueurs toujours si respectueux. On aurait cru que l'arbitre c'est Louis Figo. Oh. Le match commence, c'est un 2 de 3. Tes joueurs ont déjà sonné. Ça va se finir tout de suite, je ne crois pas. Il faut piner deux fois son adversaire pour accumuler deux points, c'est un premier 2 de 3. On va bien observer, on va bien tenir compte de ça. Il enchaîne avec un coup de pied. Ouh! Belle droite! Jean-Paul veut sa ceinture. Tout de suite avec une souplesse! Oui! Oui! Regardez ce transfert de poids! Oh! Oh là 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 là! Souplesse avant, ça a dû faire mal aux crânes, ça! Il n'a que lui qui peut faire ça. Quel bel coup de la guillotine! Oh, oui, coup de poing, enchaîne douzaine de demi-points. Coup de pied! Non! C'est le chinois Jean-Paul qui mange le coup! Vas-y, JP, il est en feu! Un autre coup! Oh non! Il va prendre bloc! Oh, tes joueurs sortent juste à temps! Oh, Jean-Paul se baisse juste à temps! Il frappe tes joueurs, Louis Figo regarde. Regarde et dit, allez-y, là, pas trop de coups de cochon! Jean-Paul s'enferme dans son lacet devant le fleur de banane par terre. Ou encore le sang de Christophe de tout à l'heure. Deux assuriens! Quelle projection ici! Oh là. Oui, oh, coup de poing dans le ventre! Ou d'un chenol! Wow! Quel beau combat! Jusqu'ici, Tijuan est vraiment de calibre et JP s'en laisse pas imposer non plus. Ces athlètes ont eu tout un cheminement, mesdames et messieurs, pour se rendre jusqu'à là. On aurait vraiment dit, ils sont de force égale. Tijuan, c'est tout un athlète. Tijuan! Et JP s'est acquis d'enfer. Ah oui, le bon bord de la corde. Il s'est penché juste à temps. Oh, il s'est ramassé Tijuan. Oh, il a réussi! Le coup de la porte! Quel move! Il a sauté sa troisième corde! Rebound sa troisième! Oh, il oui. saute sur Tijuan! Il travaille cette jambe, mesdames et messieurs, pour que ça en devienne. Et Louis Figo regarde si tout est correct. Oh là là, travail des jambes! Tijuan en plus a un défaut. Le genou droit, Jean-Paul, il va vraiment y goûter. Oh mon dieu! Il est déjà prêt pour un finisher! Oh yeah! Tijuan vient par en arrière, il veut se débarrasser de ce finisher de Jean-Paul. Dans le coin, l'arbitre se tasse. Tijuan lui assène tout un coup de poing fort comme un étau. Oh, Jean-Paul revient en furie. Kick dans le chest. Va-t-il avec notre souplesse? Son finisher, mesdames et messieurs. Le briseur de tout ce que t'as dans le corps. C'est vraiment tout brisé. On a entendu ça craquer d'ici. Scrunch, the pack of bones. Jean-Paul va essayer un pin. Oh, est-ce qu'il va le replacer dans le milieu du ring pour essayer de le piner? Sa ceinture est à lui. Il veut sa ceinture. Il dit, il la veut. Où est la ceinture? Qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Il fait les moves de Select. Il insulte Tijuan en faisant ses quads Select. On aurait dit vraiment. Et Tijuan se demande où est-ce qu'il est, Jean-Paul. Oh, un sort, l'autre sort.
joueur. Oh, j'ai pas le monde sur le mouvement. Mauvais timing. Oh, oh time. Coup de judo, par terre. Repousse, les deux regagnent un terrain. Oh, on n'a pas le prépare toujours. Oh, surprise. American uppercut. Oh, un gros coup de poing au visage. Clé de bras encore une encore fois. Une fois. Le prépare pour la souplesse de la part encore de qui? Encore une fois. Souplesse oh, avant. Dieu. Souplesse avant. Et oui. Destruction totale du thorax. Oh, des joies. Tout, oh, toute une endurance. L'attrapation de la gastro. Des joies projette Jean-Paul dans le coin. Oh, le seul drop kick au visage. Kick d'en face. D'une telle violence. Jean-Paul est sonné, il se réveille même pas. Pied étranglement. Tes joints frustrés, il attend que son adversaire se relève pour l'achever. Rappelons que c'est une possibilité de double pin. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en prend, il laisse pas tes joints. Qu'est-ce qu'il fait à son nom? Oh, transfert de poids. Dessus la corde, Jean-Paul. Bon, va-t-il monter sur la troisième encore? Oh mon Dieu. Oh là, tes joints se relèvent quand même des peines de misère. C'est à croire, où est-ce qu'il va chercher cette énergie? Un regain! Oh, encore tout un coup de poing, mesdames et messieurs. Torsion du bras, encore une fois. Revirement. Revirement, encore une fois. Revirement. Revirement, oh, revirement encore, mesdames et messieurs. Personne ne va arriver à tenir un coup de poing. C'est le combat des revirements. Revirement. Ouh, oh, passe en dessous. Oh, oh, transfert de poids. Soulèvement. Oh, quel non, ça va être un rope break. Même pas un. Deux. 3, oui, ouh, un point, il a accumulé un point. Oh non, c'est vrai, il doit 1-0 Jean-Paul. Oh, uppercut. Il ne reste plus qu'une seule fois à piner Tijouan et Jean-Paul, c'est la victoire pour lui. Tijouan doit quand même remporter une fois pour que ça soit égal. Ah, Tijouan oh, revient. Coup de terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que je vais le piner en même temps? Une soumission, ce n'est pas assez bon, mais ça peut affaiblir assez son adversaire. Oh tout oui, c'est fait. Vrai, pardon, il peut se rendre avec une soumission. Il peut se rendre avec une soumission? Non. Non, il manquait d'énergie. La Tijouan tient les cheveux. Il se demande s'il y a encore du gel. Il dit, il n'y a qu'à payer ça. Jean-Paul le remet dans le ring. Oh, il était branlé! Il était branlé! Oh mon Dieu! Boum! Portuguese coup. Oui! Encore une autre technique du haut de la troisième corde. Eh oui, mon Dieu! Oh, Portuguese dive! Tijouan est totalement sonné! Est-ce que c'est fini avec lui? Oh, il a peine! Oh mon Dieu! Il a peine à se tenir debout! Tijouan est knock-out! Oh, mais il se relève! Une droite! Oh, coup de pied! Coup de pied! Il le reprend! Reprojection! Oh non! Les choses reviennent à l'heure normale, Tijouan est ébranlé, Jean-Paul est dessus. Une baisse de momentum de la part des deux lutteurs. Possibilité de reversal. Oh non! Backbreaker! Le dos est plié d'une manière qu'il ne faut pas. Est-ce que ça y est là? Oh là! On voit un homme au bout de carrière là! Il est au bout de son énergie! Oh mon Dieu! Ça en est fini! Coup à l'attente, Jean-Paul est knocké. Oh là! Perdu son finisher, coup de poing. Tijouan travaille encore par amateur. Backbreaker. Oh, backbreaker, mais c'est le côté de son corps qui a mangé tout. Et Jean-Paul va encore faire un mouvement du haut de la troisième corde. La troisième corde, tout à fait. Il se prépare la troisième. Jump. Non. Non. Il fait les flexions toujours. Maintenant, tout un combat fait. Qui se passe à l'extérieur, directement sur l'asphalte. Ah oui. Ça, c'est... Il y a un petit tapis de 3 pouces. On the concrete. Ah non. Coup de pied entre les deux jambes de la part de tes joueurs. Ça met la partie, oh oui, il le rentre dans le ring. Il sait qu'il doit absolument le piner au moins une fois pour revenir à une égalité. Oh mon Dieu. Ouh, un coup dans le gargoton. Il faut empêcher Jean-Paul de piner une deuxième fois s'il ne veut pas remporter. Oh, une belle projection. Ah oh, non, Jean-Paul encore un rayon d'énergie. Ah, oh, un move à la Hulk Hogan. Coup de poing bloqué. Bloc, torsion de bras. Clé de bras à glaise. Oh, petit coup de pied de tapette. Ah oui, t'aimes ça, clic. I'm gonna clit it, eh? Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Souplesse! Tu le brises tout! Le Dr. Crunch! Le deuxième c'est fini! Dr. C'est Crunch! C'est fini, mesdames et messieurs! Ne pas jamais s'en lever de celle-là! C'est regardez un, ça! Un, vas-y, Lucho Go! Deux! Trois! Nouveau champion de la BCW! Il était vraiment destiné pour cette ceinture, mesdames et messieurs! Oh oui! Ça, c'est pour le peuple qui l'a fait! Jean-Paul l'attendait depuis le début! Il a battu tous ceux qui sont mis sur son chemin! On l'a brisé! On l'a volé sa ceinture, il l'a mis en jeu et il a tout vaincu ses adversaires pour la remporter encore. Il avait même été violé dans la douche. Ah oh oui, par des gros prisonniers, par les deux gros bras et la verge. Big Tom, Big Arm. Mais mon Dieu, il l'a gagné. Joe aussi remet la ceinture de la BCW à Jean-Paul Botello. Très fier de l'avoir gagné. La porte fièrement du haut de ses bras. Quelle belle histoire!
Ah oui, Jean-Paul Laporte, il disait à tes joueurs, c'est moi le champion. Hé, hey, Colin, c'est son champion. S'il avait une ceinture, c'est là que je l'aurais gagné. Non, toi, c'est la ceinture de diamant, comme tu disais. Moi, j'avais. Oh, tes joueurs continuent à insulter Jean-Paul. Ça commence avec du respect, puis ça finit avec des insultes. Mesdames et messieurs, c'est notre nouveau champion de la BCW. Le vrai, le seul, l'unique. Et l'unique. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y en a des surprises dans cette BCW. Qui cela peut-il être? Mais... C'est Vince McMahon! Qu'est-ce que Vince McMahon fait dans le BCW avec... suivi de Undertaker? Randy Orton? Triple H? Donnie? Et John Cena? Qu'est-ce que ces lutteurs de la WWE font ici dans la BCW? Ouh, je crois pas que les fans sont très contents de les voir arriver. On sait que M. McMahon a détruit la WCW. Qu'est-ce qu'il vient faire ici dans la WWE avec ses superstars? Joe et Manuel ne sont pas contents. Oh mon Dieu, M. McMahon est le nouveau propriétaire de la BCW. Les actionnaires lui ont vendu le 50% des parts. Oh mon Dieu, il retire la BCW des ondes. Manuel et Joe sont renvoyés. Nous sommes tous renvoyés. Oh mon Dieu. Ça n'est fini de la BCW. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous pendant le temps que ça a duré.